Voilà, on y est, c'est parti pour la deuxième session de Judgment. Alors je sais toujours pas si ça sera le let's play, je pense pas, vraiment je vous le dis, je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Donc du coup je prends des pincettes, je me dis bon il y aura pas écrit let's play FR peut-être dans le titre, je ne sais pas, on verra. Mais donc toujours est-il qu'on a vu l'intro, on a vu le prologue et c'était trop bien, on est toujours sur PS4 Pro, on va attaquer. Du coup je pense le premier chapitre pour de vrai, on a mis la pause et on attaque avec une cinématique qui sera je pense assez longue. Attention, c'est parti. にぎやかな夜を楽しむなら、神室町はうってつけの街だ。だが、ネオンの光が眩しいほど、その影は暗くなる。この街を牛耳ってるのは、東日本最大のヤクザ組織、東城会。神室町はディープな場所で刺激的な魅力にあふれてるが、 同時に危険も増えていく。例えば、遊び半分で盗みを働く若者たちの窃盗だ。闇サイトで集まったメンバーは、互いに顔も知らないという。警察はまだ彼らを、ただの一人も捕まえられてない。 でも最近、神室町で最大の話題はこれ。連続殺人だ。この3ヶ月の間に関西から来たヤクザが3人殺された。抗争中の東城会が見せしめにやったと言われている。 こいつも目を得られてますね。3人のヤクザの6つの目玉は未だに見つかってない。そんな町の片隅で俺は探偵事務所を開いている。ただ一人の従業員にして俺の兄貴分。海藤さんは元東城会系のヤクザだ。そして俺は 八神隆之は3年前に法廷を離れた弁護士でもある。俺の持つ弁護士バッジにはもう飾り以上の意味はない。 Oh là là, mais ce style à toute épreuve, hein, vraiment la réelle, elle est ultra propre. C'est maîtrisé en fait. Ah, chapitre 1, mauvais œil. Tintin, tintin. Ah, franchement, ouais, c'est trop beau. Et y a un petit filtre de couleur là qui fait tout le taf, je trouve, qui rend les tons très chauds en fait. Ça rend bien. Et merci, alcool. Allo, le cool, pardon. Putain, j'ai mal lu. Merci beaucoup. これ今月分の給料ね。悪いけど残りはまた。お前の取り分は？いやこいつは依頼人に渡す分だしな。俺の分はまあそのうち。そっか。また源田先生のとこに行ってみるわ。なんか仕事ないかって。あそこの法律事務所最近暇そうだぞ。ちゃんと仕事してんのか？あのちょい悪親父。 うちのお得意様にそういう言い方やめない？なら古巣だからって手ぶらで行くなよ。菓子折りぐらい買ってけ。ちゃんと格好つけろ。なんか苦労かけるな。それは言わない約束だろ、お父っつぁん。Oh là là. Cette prod, mon dieu. Alors, se sentir chez soi, très bien. On peut acheter un cadeau pour le bureau. Alors, si c'est un vrai jeu, je peux jouer au flipper. Ouais, c'est de la merde. Je vous avais dit, c'est nul. C'est nul, de toute façon, c'est pourri.
Le gros rageux de ouf. Oh là 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 là. Bon bon bon, alors... Ah, la musique adoucit les mœurs, bien sûr, tout bon détective. Alors bien sûr, on pourra parler de l'intérêt d'acheter des vinyles aujourd'hui, hein. Ça aussi c'est un grand débat. Bon, je suis consommateur, donc là je suis Yankee comme disent les autres. Mais oui, bref, on peut trouver des nouveaux disques un peu partout dans Cameroad Show, bien sûr. Ah, on doit acheter des disques. Ah, j'achèterai bien sûr tous les disques. Un vrai collectionneur, il le faut. Un changement de décor sera le bienvenu. Décorer les pièces, oh. Mais c'est pas vrai. Vraiment? Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je peux vraiment faire ce que je pense. Genre je peux attraper ça et je peux le décaler où je veux. J'enlève cette plante, c'est de la merde. Mais non. Mais c'est trop cool. D'accord, tu peux changer chez toi. Je suis chaud, je suis méga chaud. Donc là c'est le moment où le jeu va devenir incroyable. C'est-à-dire ce moment où tu es libre et tu fais absolument ce que tu veux. On va à la Tenkaichi Street. Oh putain. Ah, un beau cadeau. Eh oui, les vinyles, l'objet est fou, hein, non, mais clairement. Moi, je suis très client de tout ça. Je vais être honnête, le vinyle, c'est la vie. Parce que... En fait, la satisfaction de cet énorme disque, qui contient une bande-son généralement incroyable, puisque ça coûte cher, donc tu prends pas n'importe lesquels. Et là, tu le poses et tu... Et là, le truc, il gratte. Et là, t'as la musique qui démarre. Et c'est la folie. Avec un super son en plus. Enfin, quand c'est bien fait, parce qu'il y a des vinyles de merde aussi, hein, c'est toujours pareil. La qualité, c'est pas toujours évident. Et donc là, on va pouvoir aller à la boutique. Ah non, attendez, attendez. Premier truc, il y a une salle d'arcade ici. Alors, une salle d'arcade Sega, on peut jouer à quoi? Oh, Fighting Vipers, pourquoi pas? Il y a Puyo Puyo? Mais non, mais c'est pas vrai. On peut y jouer pour de vrai? Oh non, c'est de la merde, moi je veux jouer. Attends, laisse-moi jouer à Puyo Puyo. Pourquoi je peux pas? Pourtant, j'ai l'impression de pouvoir, mais je peux pas. Il y a Virtua Fighter 5, c'est pas possible. C'est incroyable. Attends. Est-ce que je dois acheter des tickets? Peut-être que c'est pour plus tard. Hein. Je suis peut-être trop impatient. Je suis trop impatient. On viendra plus tard. Je sens que ça va être fou. J'ai pas envie, putain! J'ai pas le temps! Si on fait let's play, je joue qu'à ça toute la semaine. Hein, je vous préviens. Ça sera fait en live très rapidement. Et puis ça sortira au compte-goutte sur la chaîne, quoi. Genre une vidéo tous les matins ou un truc comme ça. Ah, on va aller faire popo! Bonjour monsieur. Alors, faut quand même dire un truc. On est... Alors, bon, on va rester ouvert l'esprit deux secondes. Même si, bon... On est à Tenkaichi Street, d'accord? On va aller chez Popo. Et là quoi? Mister Popo en live. Incroyable. C'est terrible. La méta Dragon Ball est beaucoup trop forte. Je peux acheter des takoyaki? Ah non, des dorayaki. Très bien. J'achète tout de suite. Oui. C'est un beau cadeau. Merci Popo. Très bien. C'est un peu... C'est Dragon Ball quoi. On va dire que c'est un hommage à Dragon Ball, vraiment. On va dire que c'est un hommage à Dragon Ball. Et avec ceci, exactement. Avec vos takoyaki, qui voulait quoi? Attention à ce que vous dites sur le chat, s'il vous plaît, par contre, déconnez pas. Merci, Falers. Putain, ça craint le Japon, hein. Kabukicho, faut pas y aller de nuit, hein, c'est... ça tue. Alors, on peut faire un saut mural avec X, très bien. Réaliser des attaques après le saut mural, d'accord, très bien. On va faire ça. Alors, est-ce qu'il y a des points d'XP ou des trucs comme ça? Je sais pas si on peut apprendre des techniques, je pense que oui. On verra. Oh là, mon dieu, mais quelle patate incroyable. Attends, je peux attraper des objets, là. Je pouvais attraper quoi? Ah oui, c'est ça, c'est qu'en fait, soit j'ai des trucs qui mettent des grosses patates... Et là, boum! Ah mais non, fais pas ça! On peut dépenser des PA pour améliorer les statistiques de base, voilà, comme la santé et l'attaque, et apprendre ainsi diverses aptitudes de combat. On doit également remplir des conditions pour débloquer certaines... D'accord, très bien. Ah oui, d'accord, donc le saut mural fatal, assieds-toi, faut que je te parle. Mettons, oui, bon bah oui, bien compris.
Sur un portable, c'est méta. J'aime ces interfaces. Magnifique. Merci les dai. Alors, il y a des dossiers sur cet acteur, on en parlera après. ターボーがチンピラ相手に喧嘩あるわけねえもんな。となると、お前ら誰に手出したか分かってんのか?いや、こいつはうちの親父にとっちゃ息子同然なんだよ。俺の言ってること、分かるか?いや、よしてくださいよ。そういうのいいんで。よかね。 こういうのはよ、松ヶ根組のメンツの問題なんでな。すみませんでした。ケンゴ、お前まだターボーに会ったことなかったな。顔を覚えとけ。探偵の八神さんだ。はい。 よろしくお願いします。こいつは昔、親父が学費の面倒を見て弁護士にしたんだがよ。腕が良すぎて、マジモンの殺人鬼まで無罪にしちまったんだ。マジっすか?すごいっすね。優秀だろ?<笑>全くこんなとこにいちゃもったいねえ。ところがな、 その殺人鬼はシャバに出てきた途端、今度は自分の恋人ぶっ殺しちまったんだよ。結局それで死刑よ。そういやあいつもう潰されたか。執行はまだです。早く済ませりゃお前もすっきりするのにな。ああ。 あ、これ例の探偵から取り立てた金です。もううちの取り分は引いてあるんで、あとどうぞ。おお、板についてきたじゃねえか、取り立て屋。おかげさまで。<笑>カイトのやつは元気か？ええ。なら一つ聞いといてくれや。うちを破門にされたもんがいつまでこの町にいるんだってよ。 Ah, vraiment, le rendu est trop bien. Bon, bah, c'est cool, hein. J'avais peur qu'il en manque de cinématique, mais en fait, il nous raconte des choses. Hein. C'est bien foutu au niveau de la narration. Espérons que ça continue. Le Capitaine Amoura, hein, toujours aussi très bien. Alors, Jungle Boy, on voit des choses. Est-ce qu'on peut rentrer partout? Alors, j'ai toujours pas vu le game. D'accord, Kanomi fait sa vie. Ah, voilà, combat de rue. Alors, voyous cinglés, crapules sans pitié et toutes sortes de bandits rôdent dans les rues, prêts à en découdre. Vous pouvez choisir de vous enfuir ou de carrément les éviter, même si vous leur donnez une leçon, vous gagnerez des PA et parfois des objets, sachant que la police débarquera si vous prenez trop de temps. Dans ce cas, quittez immédiatement la zone si vous ne voulez pas finir en prison, d'accord. Donc on fera attention. Je vois qu'on peut améliorer du coup les aptitudes, donc ça c'est ce qu'on nous a dit tout à l'heure. Ce qu'on peut faire éventuellement, donc si on regarde ici... Ah oui d'accord, donc c'est bien ça, hein, c'est même complètement ça. Donc là en gros, quand on aura plusieurs PA machin et tout ça, on pourra faire des trucs par exemple saute-mouton. Ah ouais d'accord, je peux sauter par-dessus un ennemi, allez je prends. D'accord. Et après je peux faire un lancer saute-mouton. Ou ça a l'air fou ça. Ça a l'air incroyable. L'interface portable est vraiment une bonne idée en tout cas. Kamuro Go, qu'est-ce que c'est que ça? Temps de jeu, distance parcourue. D'accord, les différents commerces. On voit des choses, hein, il y a des défis, des machins. Oh là là, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. C'est le genre de jeu, t'as jamais fini. Ouah, t'as un mode photo, trop stylé. Oh, y'a une caméra selfie! C'est le meilleur jeu du monde! Oh, terrible!
Et voilà, terrible. Ok, alors on peut rejoindre le cabinet d'avocat, mais je suis tenace, je tiens bon. Je veux savoir si je peux jouer. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, c'est le moment où le jeu devient autre chose que ce qu'il était. Les endroits branchés de la ville, bien sûr. Apprenez à connaître votre terrain de jeu. Donc on peut avoir des lieux de rencontre qui se reconnaissent avec des petits drapeaux. Bonjour. Non mais c'est trop bien fait, c'est trop joli. Hein. Franchement, l'ambiance, elle est tellement bonne. L'ambiance est tellement bonne. Bonjour. Ah, c'est un lieu de rencontre. Excusez-moi. Hey, vous ne pouvez pas rentrer ici. Ouais, dégagez. Désolé, je me disais aussi. Donc c'est un lieu de rencontre, mais c'est pas pour tout de suite. Alors peut-être qu'on va avancer l'histoire et après je verrai pour les défis à la con. Ça me semble plus pertinent. Ah, attends, j'ai pas regardé à quel étage c'était les jeux vidéo. Oui, parce que alors pour les gens qui connaissent pas le Japon, ça va être rigolo, on va pouvoir parler un petit peu justement Japon. Parce que du coup, là par exemple, si on regarde ici, on voit... Alors peut-être pas là, j'aurais dit que c'était là, mais non, peut-être pas. En fait, on peut voir à quel étage il y a tel truc. Alors le problème, c'est que je parle pas japonais, donc là, très très chaud. Ah, c'est un sexy club au deuxième étage. Ah, c'était pas prévu, je suis rentré un peu trop vite. Je vais quand même regarder parce que je suis curieux. C'est... Attends, troisième étage. Je sais pas ce que je suis curieux, hein, c'est parce que c'est la curiosité. Ah voilà, c'est ça, là il y a un jeu. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ah oula, ça sent le gacha ça. Bonjour. Oh le Mahjong! L'authentique Mahjong, c'est pas vrai. Mais oui, c'est ça. Et là on pourra jouer plus tard avec avec les gens donc au Mahjong. Oh là là, mais oui, c'est trop bien. C'est Yakuza 0. C'est la même chose. Mais c'est trop bien, c'est beaucoup trop bien. Donc ouais, en fait, c'est comme Shenmue dans le sens où vous êtes libre de vous balader comme vous voulez dans un grand quartier. Et dans ce quartier, en fait, qui est extrêmement riche, extrêmement fourni, visuellement complètement bluffant, eh bien, vous avez plein de choses à faire. Et donc, bah, notamment des défis, des katanex, bien sûr, à ne plus savoir qu'en faire. Mais aussi, a priori, des trucs de, je sais pas, de bouffe. On va voir ce que c'est. Et puis, bah, surtout, beaucoup, je crois qu'il y a de la drague aussi. Et beaucoup donc des activités genre jeux vidéo, Mahjong et tout ça, c'est la folie, c'est vraiment la folie. Bon bah c'est très bien, je sens que ça va être un jeu fabuleux, je sens que je vais jamais réussir à décrocher, c'est génial, je suis en train de faire Bloodstained, je vais le planter, je suis en train de faire Layers of Fear, je vais le planter. Bravo, 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 je ne dis pas merci aux jeux vidéo, trop de choses en ce moment. Ah, je crois que je me suis fait emmerder par des gens qui voulaient me taper la gueule. Il est où? Il est là? Qu'est-ce qu'il y a, t'as un problème? Voilà, c'est tout. Aïe, oh il a une batte de baseball, il fait mal. Alors saute mouton. Wow, c'est tellement stylé. Ah saute mouton, ça rigole zéro. Hein. Ouais. Et voilà. Et là il veut se battre. Alors calme-toi. Il est chiant. Faut que je me protège. Alors quand je me prends un coup, je peux pas me reprotéger derrière, faire attention. Et là j'ai gagné des PA par contre, ça c'est très bien. Et là de l'argent bien sûr. Oui, à 5000 yens. Ah mais ça vaut le coup de tabasser les gens en fait. D'accord. Mais c'est le voyage, c'est vraiment le voyage. Et donc là on va vers le premier étage j'imagine. Je ne sais pas. Je tente. Est-ce que la caméra est trop grande en fait? Vous me dites hein, si la webcam c'est trop gros. Yo, Saori-san. C'est dorayaki, ne?限定もんだって。源田法律事務所は俺の古巣だ。3年前に辞めて以来、顔ぶれは少し変わった。どうも、八神さん。星野くん、どう？ここはもう慣れた？ええ、皆さんよくしてくれるんで。 Il sait qu'il y a genre tous les clichés sur lui. Du petit garçon sage japonais. Du jeune homme sage japonais. Nara motto okina jimusho de mo iketaro. Ya, nante koto yuu ndesu ka? Kikoeteru zo, Yagami. Genda-sensei, domo. Ore ni wa umi no oya o irete oyaji to yoberu hito ga 3 ni iru. Kono Genda-sensei mo sono hitori. Ore ga bengoshi ni naru mae kara kono jimusho de hatarakasete kureta. Shintani-sensei wa dochira ni? 夕方から見てねえな。
まあちょうどよかったじゃないか。顔合わせずに済んで。え？お互い嫌いだろ。お前らどっちも相手をバカだと思ってるからよ。まさか尊敬する兄弟子ですよ。それをバカにするなんて。うちの仕事が欲しければあいつともうまくやれよ。お前はもっと先輩に敬意を払ってだな。あ、源田先生、どら焼きどうです？先生なら絶対気に入ると思って。あ、あれ全部いっちゃった。半分なら残ってます。Très bien, c'est Morphal, tout va bien. なんか仕事ありませんか、源田先生。Merci, Solineo, merci beaucoup à toi. 仕事な。そもそもお前、いつまで探偵なんか続けんだ？こんな危なっかしい町で。平和な町じゃ仕事になりませんよ、探偵は。借金の取り立てが探偵の仕事か？まあ、仕事がないよりはいいかと。そりゃ探偵じゃねえだろう。何でもやだ。もともとそんな感じで始めた家業ですから、俺の場合。なあ、八神。はい。お前もう弁護士に戻る気はねえのか？ありませんね。どうしてもかよ。見てください。俺のこの目。うん？こいつは人が善人か悪人かまるで見分けられないんですよ。そんな奴に弁護士なんて任せちゃダメです。3年前の件なら、あれはお前のせいじゃねえぞ。あれはお前が優秀な弁護士だからこそ起きた事故だ。事故だとしても俺はあんなの二度とごめんなんですよ。仕事ないですか、先生。暇にしてるとあの日のこと思い出すんです。エミちゃんの遺体が目に浮かんで、だから何でもいいんで、ずっと忙しくしてたいんです。離婚裁判の証拠集めは例によってラブを張り込んで証拠写真を撮影、それから尾行とゴミ漁りだ。やるか？いいですね。もちろん喜んで。お手上げだな。後で資料送っとく。次来るときは手土産いらねえぞ。金が余ってしょうがないって時だけ持ってきてくれ。Je viens de gagner 5000 yens en tabassant un mec, t'inquiète. On peut ramener des biscuits. Bon voilà, on a demandé du boulot. Conclusion. Yes, Leonardo speaking. Genda 法律事務所です。え？ええ、います。わかりました。八神さん、新谷先生から。ん？裁判の証拠集めを頼みたいそうです。殺人事件の。殺しの？なんだよ、うちにそんな案件あったか？いえ、私も今初めて聞きました。八神、さっきの離婚裁判は忘れていい。新谷を手伝ってやってくれ。殺しの弁護なんざうちも3年ぶりだ。新谷先生、太平通りのバーにいるそうです。すぐ来てほしいと。太平通りのバーってテンダー？そうです、バーテンダー。 OK、 on va aller au tender du coup, découvrir un nouveau lieu, un bistrot, le bistrot, le saké. Si jamais il y a des mini-jeux de ça, ça serait magique de... Non mais non, je pense pas. Ah, pas, pas de jeu d'alcool, hein, bien sûr, hein. Je pensais pas ça, je pensais plus à des trucs de cocktail ou je sais pas quoi. Je sais pas si on peut sortir un peu de notre zone de taf ou pas.
Honnêtement, je suis très content parce qu'on va vraiment découvrir le jeu. Il est sorti depuis un moment au Japon, mais on va le découvrir pour de vrai. Juste pour les gens qui posent la question à peu près toutes les 3 secondes sur le chat pour savoir quel est le nom du jeu. Désolé, c'est de ma faute, c'est parce qu'il n'est pas indiqué sur Twitch. Du coup, j'ai changé, je l'ai mis, et puis comme ça, vous l'aurez, et puis vous le verrez. Je risque la chaîne pour vous aujourd'hui, c'est terrible. Même si en vrai, il n'y a aucun risque, hein. Mais bon, je me dis les communications, tout ça, des fois, c'est pas ça. Oh ! Quoi ? Mais non ! Oh là là ! C'est le meilleur jeu du monde. Attends. Boum! Un plot dans la gueule. Alors faut faire gaffe, parce qu'on nous a dit qu'il y avait les flics hein, qui approchaient quand même si jamais il y avait des embrouilles. Après, je vais peut-être pas faire tous les combats du jeu non plus. Quoique, peut-être que si je peux avoir plus de points, du coup, c'est plus fort, je sais pas. Bon. Donc, on a gagné 8000 yens, ce qui fait à peu près 70 balles. Ça rapporte quand même hein, de casser des culs. Hein. Ça rapporte vénère, hein, c'est. Ça, c'est les parties de Virtua Fighter 5 qui arrivent, ça. Qu'est-ce qu'il est bien, ce jeu, d'ailleurs. Non, mais je pense pas qu'il l'ait foutu, en vrai. Je sais pas comment ils ont fait leur truc. On va voir. Merci, ScanSnake, merci beaucoup. Ah, ça y est. C'est Rola Baston, les loupards. Attends, faut que je me protège. Voilà, ça, c'est les prises qu'on aime. Alors, on va changer de style aussi, parce que le problème, c'est qu'il faut que je passe en... Ah, mais non, j'ai plus le style bleu. Mais quel embrouille. Non mais non, fais pas ça. Ah, y a un petit temps de latence Voilà. Il y a un petit temps de latence avant de pouvoir bien se protéger en fait. Avec chaque coup t'as une petite corée et elle te casse un peu le truc quand même. Donc faire attention. Oui, bloquer les attaques, il m'a redonné le tuto au cas où. Alors j'espère que c'est un jeu où tu peux pas rater les trophées, sinon je vais être triste hein. Vous le savez que c'est précieux pour moi ces choses là. J'assume ma faiblesse. Et là, c'est le moment du bistrot. Kamino Shizuku. Bah, tenda wa. 20 年前、俺がカムロ町で初めてバイトしてた店だ。マスターはその頃から老けてたのか、今もあまり変わってない。ターボか。奥に新谷先生来てるよ。ああ、仕事の話なんだ。また来ちゃった。あんま飲みすぎんなよ、マリネ。あの人、ターボの連れなの？仕事相手、今日のクライアント。うちの仕事が欲しけりゃもっと早く来い。遅すぎんぞ。急な呼び出しに遅刻もないだろう。妙な先輩風はよしてくれ。一杯飲ませてもらいます。俺の金でか。いや、源田事務所の交際費ってことで。登場会の松金組若頭、羽村恭平。お前はよく知ってるな。今日もさっき会ったよ。羽村の頭が依頼人？ああ、逮捕された。殺人とした意気でな。マジで？マジだよ。で、松金組からうちに弁護の依頼が来ちまったんだ。まあ、松金の組長は、裁判ごとじゃずっと源田先生を頼りにしてきたからな。でも今回はなんであんたが。源田先生が俺の名刺渡してたらしくてよ。たく、なんで俺がヤクザの弁護なんて。ご愁傷様。これからカムロ署で羽村に接見する。お前も一緒に来い。俺と違ってヤクザには慣れてんだろ。かもね。接見の前に事件の大筋を共有しておく。まず被害者は関西恐霊会のヤクザだ。一週間前、カムロ町のゴミ捨て場で死んでるのが見つかった。おい、その事件って。ああ、死体の目がえぐられてたって、例の事件だ。警察は羽村をその犯人と見ている。でかい事件だな。今までに目をえぐられたヤクザは3人。同一犯の連続殺人なら相当注目されるはずだったんだがよ。ん？初めの2件は羽村にアリバイがあった。で、警察は3件目についてだけ羽村を犯人と言ってんだ。連続殺人じゃないと。ああ。3人死んでて全部未解決じゃ警察もカッコつかねえ。だから多少強引だろうが
今回のだけでも片付ける気なんだろう。どうせ被害者はヤクザだ。世間もうるさくは言わん。Alors, l'intelligence est toujours récompensée. Sperper. Au fil d'une conversation, vous aurez parfois à choisir la bonne réponse. Durant ce processus de réflexion critique, vous pouvez gagner des points, un bonus de PA, si on sélectionne plusieurs fois d'affilée des bons choix, afin de réunir les informations le plus rapidement et efficacement possible. Ah mon dieu ! Il faut enquêter intelligemment. Je repose la question, est-ce que la caméra est trop grande ? J'ai vu la remarque comme quoi c'était pas du bon côté. Je tente une transformation miroir. Attention. Inverser. Oui, ça fonctionne. On va faire comme ça. Alors, si on fait les mauvais choix, on peut aussi perdre ce bonus. Et on a la possibilité de gagner un bonus, machin, etc. D'accord, très bien. Alors, un meurtre dont auteur et victime sont des yakuza. Pas le temps de niaiser. Je dois aller au cœur de cette affaire. Je sais pas moi. C'est... Moi j'aurais dit la 2. Celle du haut. Celle du haut. Deos dit gauche. Moi j'aurais dit en haut mais bon. C'est obvious qu'il l'a pas tué. Mais oui, moi je suis con. Moi je joue le gars bête. Voilà c'est ça. Bon gauche. Allez, tout le monde dit gauche. Allez, boum! GG。被害者は神室町に進出してきた関西ヤクザで、もう何ヶ月も登場会と交渉している。となると十中八九殺したのは登場会系列のヤクザだ。で、ハムラもその一人。もう一つの理由は、事件当日ハムラは被害者と口論をしていた。 Bon, on va tester l'intelligence du chat. Hein. Deuxième question. J'avoue que si tu dis est-ce qu'il a vraiment été tué, est-ce qu'il l'a vraiment tué, c'est un peu con. Donc droite. Hamura wa... Bien joué. Jiken no koto nante itten da. Yatte nai to itteru sou da. Merci, va être M. Merci beaucoup à toi, déjà. Ah. Donc là, on est d'accord qu'on a terminé. Là, j'arrête. Pas besoin d'aller vers le haut. C'était de la merde. Ah, des grands talents d'enquêteur, hein, toujours. On stoppe. Je me sens l'aura d'un inspecteur incroyable. Inspecteur Myum, oui. De nouvelles infos ont été ajoutées au dossier, bien sûr. Meurtre en série Kamurocho, suspect potentiel mis à jour, scénario de l'affaire mise à jour. Alors du coup, si on fait ça, ça se passe comment? Meurtre en série à Kamurocho le 4 décembre 2018. Voilà, le petit topo. Ah, on le fera peut-être en début de VOD. Pour remettre dans le contexte. Ah. Allez, incitation à l'alcool, là. Et avec ceci. Et avec ceci. Ça. Merci, Fabien. Ok, donc j'aurai peut-être un nouveau taf en venant ici. Je vais finir serveur, je le sens. Alors là, là il se passe des choses. Pourquoi on a autant de choix d'un coup là, sur les lieux où aller? Bon, on va aller au poste de police du coup. Est-ce que je peux bousculer des gens random et du coup me bastonner avec eux, genre lui là? Non. Non, je ne peux pas. Attendez, j'ai un peu faim. C'est le Japon, hein, c'est le tourisme, on visite, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Et donc là... Ah ouais, trop stylé. Alors bien sûr, je ne vous l'ai pas dit. Mais nous incarnons un inspecteur végétarien.
Donc là, il va falloir regarder. Alors, généreusement garni de 7 légumes différents, deux fois plus que le shampoing de Nagasaki. Oh mon dieu, incroyable. Allez, boum, je bouffe. Donc ça, c'est comment claquer sa thune dans le vent, mais c'est pas grave, c'est pour le fun. Oui. C'est parfait. Très bien. Regardez-moi cette cinématique. Et ben voilà, un petit shampoing aux légumes. Alors par contre, j'ai pas regardé le bouillon, hein. Ça se trouve c'était fait avec de la... Ah merde. Bon, qui ne sait pas, ne sait pas. Allez, j'ai un doute. Elle vaut rien la bouffe. Ah non mais au Japon, c'est un truc de fou. Quand tu veux bouffer là-bas, le ramen le plus standard de l'univers, il te coûte à peu près 4 euros quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux manger pour 8 euros par jour. Ce qui n'est pas du tout le cas quand tu vas ailleurs. Voilà. C'est limite moins cher que d'acheter des choses pour chez soi. C'est assez terrible d'ailleurs. Alors, on m'a dit que j'avais déjà raté beaucoup de choses, a priori. Notamment, bah, du coup, un trophée. Donc, tant pis. C'est la vie. Alors, est-ce que je peux prendre un taxi? Ah oui, mais c'est vrai qu'il roule, de... Ah non, mais c'est bon. Alors, un taxi, bien sûr. 410 yens ? Putain, c'est... Poste de police. Allons-y. よう、今夜はよく会うな、ターボ。笑っても<笑>いいんだぜ。ハムラさん、源田法律事務所の新谷です。組の方からご依頼を受けまして。ああ、頼りにしてるぜ、新谷先生。まあ、俺らも仲良くやりましょうや。うちの親父と源田先生みてえに。ああ、そうですね。 では早速ですが、色々聞かせてください。話の裏取りや調査はこちらの矢上が進めます。それは頼もしいな。よろしくどうぞ。逮捕の理由は殺人ということでしたが、そのお心当たりはあるんでしょうか。ああ、お心当たり。実際に頭がやったのかってことです。 どうなんです？やってようがなかろうがよ、お前らの仕事は俺をここから出すことだ。違うか？違いますね。俺はもしあんたがやったって証拠を見つけたら、手を引くのか？いや、それを検察に渡してあんたを無所に送らせます。ふざけんな！てめえは殺人鬼だって無罪にしたんだろうが！ おい、ヤガミ。3年前、少なくとも大久保新平は無実の可能性が高かった。だから俺も信じることができた。でもその後大久保は恋人を刺して火でつけたじゃないか。<笑>ターボ、あん時お前は無罪取るって手柄に目がくらんだんだよ。 だから人殺しかもしれねえって男を野放しにした。だろ？正直に言えよ。疑わしきは罰せずですよ。なら焼き殺された娘の親にもそう言ってみろ。<笑>それができねえから逃げたんだろ、弁護士って仕事からよ。<笑>事件の話に戻したいんですが、構いませんか？ああ、いいぜ。お前もいいな。あ、分かったよ。続けてくれ。失礼しました。では、まず被害者は協力会組員で、名前は久米敏郎。 年齢は34。12月4日の早朝6時、ゴミ捨て場に死体があると110番通報がありました。事件前に頭は被害者と揉めてたそうですね。ああ、警察は何か言ってませんでしたか？他にも頭を逮捕するだけの証拠があるとか。そんなもん俺にわかるわけねえだろ。なあ、新谷先生。ええ。
ただ、警察にどんな証拠があるか、今の時点では弁護士にも開示されません。起訴前は、羽村さんの話だけが我々の頼りでして。そうかよ。それじゃ、八神、お前から羽村さんに聞いておきたいことは。OK. Bon, alors là, là, j'ai besoin de votre intelligence. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Ouais, les doublages sont fous, hein, clairement. Donc là, il y a 3 réponses à faire sur 4. Il y en a une nulle, a priori. Alibi direct, vous auriez dit, vous? Ouais, peut-être, ouais. Ouais, bien vu. まず被害者の死亡推定時刻は深夜2時から3時の間らしいな。その頃どこにいたって取り調べでしつこく聞かれた。実際どこにいたんです？サウナだ。カムロ町のサウナ御殿。朝までずっとな。ただしそれを裏付ける証拠証言はなしですよね。 あれば今頃逮捕されてない。そういうことだ。ふざけた話だがよ。 Très bien. Moi j'aurais dit Koumé, en haut à gauche. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de votre côté? Wax nous dit pareil, altercation, ouais, on est d'accord. 被害者のクメとはどこで揉めてたんです? スッポン通りにアムールってクラブがある。クラブアムール。その店先だ。俺は組の若いもん連れてた。その時に強烈会とにらみ合いになってよ。ああ、そいつがクメって野郎だった。喧嘩ふっかけたのは頭の方から。ああ、関西の下っ端にでかい顔されたんじゃメンツが立たねえ。それに俺もまあまあ酒が入ってた。それは何時頃です？ 9時過ぎだ。クメとにらみ合いになった後は、それで終わりですか？いや、野郎が逃げようとしたのを捕まえてよ。アムールの中に引きずり込んだ。は？いや、口論って聞いてましたけど。じゃあ、羽村さんは大勢で被害者を拉致した。ああ、アムールはうちの組でケツ持ちやってる店だ。で、中にいた客は全部返してよ。 しばらく組に焼き入れてた。ただ殺しちゃいねえ。その後奴は裏口から叩き出してやった。俺もそのまま店を出た。12時よりは少し前だ。なるほど。すると被害者はあんたらに無理やり拉致され、朝には目をえぐられてた。俺が警察でも頭を逮捕しますね。 Ah, c'est le texte de sub qui s'est mis là? Ah merde, désolé. Bon, je virerai. Du coup, le dernier truc alors. Réflexion. Moi, j'aurais dit en haut à droite le sujet de la victime, clairement. Mais bon. En tout cas, merci Range. Ouais, vous êtes tous d'accord. Oui! Quelle victoire! Kume Toshiro, 34 ans. Kyōrei-kai no shitappa-da. Kume wa. カムロ町に一人でいたんですか？構想中の関西ヤクザが敵地で一人きりってことは。ああ、もう一人連れがいた。野郎の兄貴分だろうが、名前は知らねえ。強霊界の人間は合わせて二人か。こっちは俺を入れて松金組が5人いた。クメの兄貴分はアムールに連れ込まなかったんですか？その前に逃げられた。 Yatsu. Putain, la réal est tellement cool. Je l'ai dit 1000 fois, mais je le redirai s'il le faut. La réal est tellement propre. C'est... Alors, un poil trop bavard. Bon, ça, Yakuza, c'était pareil. Donc, un poil trop bavard, mais honnêtement, honnêtement, c'est stylé. J'espère juste que là, on n'a pas vu toutes les phases de gameplay différentes. C'est-à-dire que vraiment, j'espère qu'on aura des phases un peu action, des phases un peu poursuite, des trucs qui vont changer juste de la lecture de dialogue avec des choix. Mais par contre, l'histoire est très bien, et puis c'est super bien écrit, quoi. Ça... Enfin, dites-moi si vous, vous arrivez à suivre aussi bien, mais... Je trouve ça trop cool.
もしアリバイが証明できりゃ裁判するまでもねえんだがな。明日報告してもらうぞ。こっちから連絡する。Ok, donc de nouvelles infos ont été ajoutées. Très bien. Alors, on est bien d'accord que ça, c'est l'affaire principale. C'est l'affaire actuelle. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est très bien. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est que... on va faire un let's play. Fait chier. Voilà, je le dis, fait chier. Mais bon, c'est pas grave. Le jeu est trop bien. Non, j'ai envie de savoir la suite, en fait. J'ai envie de le faire quoi qu'il arrive, et maintenant. Il n'y a pas de... Je le laisse plus tard. J'ai envie de le faire maintenant. Donc, tant pis. Alors, ce qui va se passer, c'est que là, tous les jours, vous allez avoir des VOD sur la chaîne YouTube, je vous préviens. Ça sera quotidien. Et pour le live, bah du coup, on va rouler sur le jeu. C'est-à-dire que demain soir, normalement, je ferai un live. Mais quoi qu'il en soit, dès lundi, j'ai jusqu'au 28. J'ai jusqu'au 28 pour terminer le jeu. On va y aller. On va y aller pour de vrai. Donc voilà, c'est le craquage. Pour la VOD, je vous laisse là-dessus. Du coup, je vous dis à très vite. Pour les gens qui voient ça en VOD, on continue bien sûr dans un instant. À tout de suite.